Je suis vraiment content d'être avec vous ce matin, peut-être moins content que Will. Hein. Vous avez remarqué quand même qu'il est vraiment heureux, il a vraiment été touché comme beaucoup. Et je ne vais pas redire ce qu'il a dit, en tous les cas je m'associe à ce que Wilfried a partagé encore ce matin, la joie que nous avons tous eue à avoir un top départ de ce bébé à Sur-Étampes. On a rappelé aussi que ce bébé n'est pas né hier. Il a été déjà conçu dans le cœur de Dieu de toute éternité. Comme vous, vous avez été conçu dans son cœur de toute éternité. Et il a mis son plan en route. Les circonstances, il a placé des hommes, des femmes, des jeunes, des événements pour que nous puissions arriver jusque-là. Wilfried a dit que quand le bébé naît, il y a du boulot après. C'est dire que on est dans la joie, mais ce n'est pas une finalité, ce qui s'est passé hier. C'est le commencement, ou la continuité plutôt, de ce que nous devons continuer à semer sur la région des Tampins. Et pourquoi nous devons semer sur la région des Tampins? On va rentrer. Hein. Pourquoi on doit semer à Étampes comme ailleurs? Parce qu'il y a des personnes qui ont soif, qui sont abattues, qui sont inquiètes et qui attendent une espérance. Et cette espérance, ils ne l'ont pas encore. Cette espérance, ils la cherchent ailleurs. Ils la cherchent dans d'autres choses, dans le travail, dans les richesses, dans l'amour, dans bien d'autres choses. Ils courent après quelque chose. Et ce quelque chose, il va les combler d'une manière provisoire, temporaire, mais pas durablement. Or, l'Évangile nous dit tout autre chose. Jésus a dit, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, ni jamais soif. C'est dire que les paroles de Jésus, la vie même de Jésus, quand elle vient dans mon cœur, alors elle étanche ma soif. Je n'ai plus besoin de chercher ailleurs, puisque j'ai trouvé l'essentiel. Et le livre des Actes des Apôtres, c'est bien cela qu'il nous raconte. Jésus a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant, les enseignant, et au nom du Christ, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et allez, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne nous a pas simplement demandé d'aller, mais aussi nous a équipés. Vous recevrez une puissance. C'est Jésus qui parle. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voici les paroles de Jésus. Il nous envoie, mais il nous équipe aussi. Alors, on est toujours dans le livre des Actes des Apôtres, et je vous propose de lire le chapitre 3 du livre des Actes des Apôtres. Après la Pentecôte, on ne sait pas trop combien de temps il s'est passé entre le Saint-Esprit qui vient équiper, qui vient faire sa demeure dans les croyants et qui leur permet d'annoncer l'Évangile avec joie, avec assurance. Et le chapitre 3, en tous les cas, on est dans un mouvement parce que l'Évangile, quand il est annoncé, quand le Saint-Esprit vient, il nous met en mouvement vers les autres. Alors, je vous invite à lire chapitre 3 à partir du verset 1. On va lire les 10 premiers versets. Les 11 premiers versets, pardon. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. On était juste en train d'y porter un infirme. C'était un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la Belle Porte, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Les deux apôtres fixèrent les yeux sur lui. « Regarde-nous, » lui dit Pierre. L'infirme les regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et en même temps, il le prit par la main et le fit lever. Aussitôt, ses pieds, ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut debout.
et se mit à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple. Il marchait, il sautait de joie et il louait Dieu. Tout le monde le vit ainsi. Marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était bien lui qui était toujours assis à mendier près de la belle porte du temple. En voyant ce qui venait de lui arriver, les gens étaient remplis de stupeur et de crainte. Quant à lui, il ne quittait plus Pierre et Jean. Tout le peuple accourut et se rassembla autour d'eux dans la cour du temple, sous le portique de Salomon. Ils étaient stupéfaits. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole qui a été lue. Cette parole, Seigneur, nous voulons la chérir dans notre cœur. Cette parole, nous la reconnaissons comme venant de toi. Cette parole, Seigneur, nous la reconnaissons comme vivante, parce que c'est ton Saint-Esprit qui va la rendre vivante en déposant ce que tu veux déposer dans notre cœur ce matin. Seigneur, que ce ne soit pas simplement des histoires que nous racontons, mais que nous puissions vivre ces histoires dans notre vie de tous les jours. Que notre assemblée, que ton Église, que tes enfants fassent l'expérience de la puissance de ton nom dans sa vie. Merci encore de ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour les grâces, Seigneur, que tu en réserves pour tes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Faut toujours visser les roues de la voiture avant que voilà, ça s'en va. Un récit particulier, un récit que vous avez certainement lu, un récit pas facile aussi à apporter, c'est plutôt une prédication narrative. On va s'arrêter sur quelques points qui me semblent importants. À ce stade-là, comme je l'ai dit, on ne sait pas trop combien de temps s'est passé entre la Pentecôte et ce chapitre 3. En tous les cas, on observe que Pierre et Jean, comme les autres disciples, ont continué à se rendre au temple pour y prier et pour adorer Dieu. On a lu, comme à leur habitude, à la 9e heure, peut-être l'avez-vous dans votre Bible, mais c'est voilà, 15 heures de l'après-midi, il y avait une habitude de prière et les disciples n'ont pas coupé avec le judaïsme d'un seul coup. Ça s'est fait progressivement. On est dans un mode de rodage où progressivement, ils vont se détacher un peu de tout ce qui concerne les pratiques du judaïsme. Ce n'est pas non plus le premier miracle, chapitre 3, dans le livre des Actes des Apôtres. Déjà, on le lit au chapitre 2, verset 43, où on a un résumé. Il est dit « Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. » Chapitre 3 est particulier, il y a un miracle, mais Pierre va expliquer ensuite ce miracle. Ce qui est important, c'est que maintenant, le miracle se situe aux alentours du temple. Et le temple, c'est quelque chose de très particulier pour les croyants de l'époque. Le temple, c'est le cœur même de la vie religieuse, le cœur aussi de la vie sociale de l'époque. Le temple, c'est aussi, quand on lit l'Ancien Testament, c'est le symbole de la présence même de Dieu. Dieu était dans son temple, non pas que Dieu puisse être enfermé dans un lieu, mais symboliquement, vous aviez le temple, ou vous aviez d'autres, par exemple le tabernacle, vous aviez dans le lieu saint, lieu très saint même, lieu de la présence de Dieu, une sorte de fumée qui sortait, ce qu'on appelle la Shekinah. La Shekinah, c'est la gloire de Dieu. Et quand on voyait la Shekinah, eh bien, on savait que Dieu était là présent. Et quand la Shekinah partait, par exemple, avec le tabernacle, le peuple suivait cette nuée. Vous vous souvenez de cette nuée ? Le jour comme de nuit, on suivait Dieu. Donc le temple représente vraiment le lieu de la présence de Dieu. Mais ce temple, malheureusement, sera détruit en 70 après Jésus-Christ. Et c'est vraiment là où les disciples prendront leur distance. Probablement que les premiers disciples se retrouvaient dans la cour du temple, pas dans l'enceinte même du temple, mais dans la cour, dans les parvis, dans l'esplanade, hein.
Parce que, souvenez-vous, il y avait au moins 3000 personnes qui se sont tournées vers Jésus-Christ. Il faut les mettre quelque part quand même. Et donc, il y avait suffisamment de place sur ces esplanades, sur ces parvis, pour que les disciples se réunissent, pour qu'ils puissent continuer d'annoncer la bonne nouvelle. Donc, on se situe à côté du temple et le récit se situe plus précisément sur le parvis, sur l'esplanade. Et vous aviez plusieurs parvis. Les parvis pour les prêtres, les parvis pour les femmes, les parvis pour les nations. Voilà, vous avez d'autres différents parvis. L'infirme dont il est question ici est à la porte. Est à la porte, à l'extérieur du temple. On apprend que cet infirme est né infirme, depuis sa naissance. On apprend aussi, au chapitre 4, verset 22, qu'il avait environ 40 ans. C'est dire que ça fait 40 ans. 40 ans qu'il est dans cet état. Et cette infirmité, finalement, va engendrer des conséquences. Cette infirmité le conduit à être marginalisé. Il est exclu sur le plan social, sur le plan religieux, il n'a pas le droit de rentrer normalement dans le temple. Sa maladie va encore le pousser plus loin. Cette maladie va le conduire à une pauvreté extrême au point de mendier. Et vous savez, il n'y avait pas d'allocation adulte handicapé. Il n'y avait pas de RSA. Il n'y avait rien de tout ça. On apprend quand même qu'on l'installait devant le temple tous les jours. Alors le « on », ne sait pas trop qui c'est. Peut-être est-ce sa famille, peut-être est-ce des proches, des voisins. Mais le « on », eh bien, nous dit le texte, installait cet infirme devant le temple. Autrement dit, il était dépendant, super dépendant des autres. Je ne sais pas si vous aimez être dépendant. Mais en tous les cas, avec ce tableau, on s'aperçoit que cet infirme, peut-être n'avait-il jamais voulu être dans cet état. C'est important de brosser le tableau parce qu'on peut voir qu'au travers de cet infirme-là, sa vie était plutôt une vie morte. On le plaçait comme quelqu'un qui faisait partie du décor. On le voyait parce qu'on le croisait tous les jours et en même temps, il devenait invisible aux autres. Il devenait invisible, à la fois connu, visible, et à la fois invisible, car il faisait partie de ce décor-là. L'installer devant le temple, c'était aussi une manière d'être plutôt stratégique. C'est-à-dire que comme aujourd'hui, on voit des personnes mendier devant les cathédrales, devant des lieux, des églises, etc. À votre bon cœur, monsieur. Dieu te le rendra. Donc, il était bien placé, surtout que dans la loi, il y avait cette triple exigence, c'est-à-dire que le croyant devait prier, devait jeûner et devait aussi faire l'aumône, hein, donner, participer. Et c'est dans ce contexte-là que Pierre et Jean ne sont pas deux personnes que l'infirme va rencontrer pour la première fois. Pierre et Jean font partie des personnes, des centaines et des milliers peut-être de personnes que l'infirme va croiser. Et il devait en croiser cet infirme, des regards, des gens. Il devait y en avoir des regards qui se croisaient. Un triple regard. Le regard des autres sur sa condition d'infirme. Certainement des regards fuyants, des regards gênés, des regards indifférents, des regards religieux, des regards compatissants, des regards méprisant.
des regards qui éveillaient une certaine culpabilité ou une certaine conscience de ne pas faire le bien à chaque fois qu'on croise un mendiant. Mais peut-être le regard aussi de l'infirme sur les autres, un regard envieux sur les autres qui sont en bonne santé, qui sont riches, qui ne dépendent pas des autres, qui sont libres d'accès au temple, libres d'aller travailler. Un regard peut-être de colère à l'égard des autres, de comparaison. Pourquoi eux sont-ils comme ça? Puis enfin, un regard sur lui, sur lui-même. Pourquoi moi? Pourquoi tant d'injustices dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Il y a un sentiment d'impuissance, une dévalorisation de sa personne. Qu'est-ce que j'ai mérité pour être dans cet état? Et Dieu dans tout ça? Il est vrai que la présence d'un mendiant dérange, d'un clochard, mais apparemment on ne le dit plus, un SDF. Mais voyez-vous, quand on parle d'un clochard, d'un SDF, on oublie qui est cette personne. On met un sigle sur une identité. On remplace l'identité de la personne par un sigle. Il devient non plus un homme ou une femme, mais il devient un simple SDF. Et vous ne savez pas, ou peut-être vous savez, quand vous avez croisé quelqu'un dans cet état, on n'a pas des regards fixes. On a parfois des regards fuyants. On est comme gêné. Et on passe et on jette une petite pièce comme ça rapidement. Pourquoi on jette la pièce? Pour lui ou pour apaiser notre conscience? En tous les cas, moi, je me suis rarement arrêté en disant « Écoute, regarde-moi bien. » Voilà. Mais quand je le regarde, je vois non seulement sa pauvreté, son exclusion, sa saleté, son odeur et plein d'autres choses encore. Et on n'aime pas regarder ça. Parce qu'on croit et on pense peut-être qu'il y a quelque chose qu'on doit faire. Et quand on fuit, ça nous permet d'oublier ce qu'on a vu. Et c'est dans ce contexte, comme je l'ai dit, que Pierre et Jean rencontrent cet homme. Dans ce verset, notamment, quatre fois, on insiste sur l'échange des regards. Ce n'est pas pour rien. Il y a des regards fuyants, il y a des regards où il est dit que Pierre et Jean le fixent fermement. Et quand Pierre le fixe, bien entendu, l'infirme, cet homme s'attend à recevoir l'aumône. Il se passe quelque chose d'autre. Il ne reçoit rien. Mais il se passe quelque chose d'inattendu. On lit, vous avez certainement lu, Pierre et Jean s'arrêtent. Deuxièmement, ils le fixent. Troisièmement, une parole qui transforme. Quatrièmement, un geste qui accompagne la parole. Peut-être que s'arrêter semble anodin. Mais j'ai trouvé quand même important de le souligner. Il s'arrête. Juste ce mot-là, on dit peut-être long sur la manière de Pierre et de Jean d'aborder cet homme. Juste ce mot-là, s'arrête, en dit long sur la manière dont nous nous comportons et nous agissons à l'égard des autres. Parfois, nous attendons que Dieu fasse de belles choses, de grandes choses. Nous prions, mais nous ne nous arrêtons pas. Et nous continuons notre route. Peut-être que si nous voulons voir Dieu agir, il nous faut tout d'abord nous arrêter devant la personne. Peut-être que aussi, cela nous pousse à réfléchir. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi je suis sur le chemin de telle personne? Est-ce que c'est banal? Ou est-ce que Dieu, peut-être, veut accomplir quelque chose au travers de moi? J'ai trouvé que, voilà,
on ne peut pas voir grand-chose de Dieu si on n'est pas prêt à s'arrêter nous-mêmes. On ne verra rien si on ne prend pas la peine de s'arrêter au pied de ceux et celles qui sont infirmes, boiteux. Et j'aimerais aussi aller plus loin que l'infirmité physique. Mais ceux qui sont boiteux dans la vie, ceux qui ont des épreuves, ceux qui ont le sentiment d'être exclus, d'être marginalisés, d'être impuissants, d'être abandonnés, j'aimerais qu'on élargisse aussi le genre de boiteux que nous pouvons rencontrer. Hein, même plus loin encore, loin de voir uniquement chez les autres des boiteux, mais d'avoir un regard sur nous. Est-ce que je ne suis pas aussi boiteux ? Quelque chose qui m'empêche de marcher, quelque chose qui m'empêche de me lever, quelque chose qui m'empêche de me mettre en avant et d'aller être réconcilié avec Dieu. Malheureusement, Jésus parlera dans une de ses paraboles, la parabole du bon samaritain. Et notamment, il prend deux exemples, un lévite et un docteur de la loi, des religieux importants, qui se rendent au temple et qui voient, qui rencontrent une personne blessée. Que font-ils ? Ils le voient presque agonisant, en sang. Jésus dit que ces deux hommes passent. Ils ne s'arrêtent pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'arrêtent pas ? Parce que j'ai une réunion de prière au temple. Faux, je suis en retard. La réunion, elle est à 19h30, faut que je cavale. Et Dieu sait que j'ai une bonne excuse. Mon œil. Et s'il n'y avait pas de réunion de prière, tu serais arrêté. Le deuxième, lévite, un religieux. Quand je dis religieux, on pourrait dire un évangélique, un bon évangélique, avec une belle confession de foi, qui est passé par les eaux du baptême, qui a confessé Jésus comme Sauveur et Seigneur, et qui va à l'église d'Arpajon, 6 avenue de la division Leclerc, tu connais ? Et qui croise des gens en difficulté et qui ne prend pas la peine de s'arrêter. Pourquoi ? La vie n'est pas faite de hasard. Les évangiles décrivent que Dieu en Jésus-Christ est le Dieu des rencontres. Que Jésus a pris la peine de s'arrêter. Il a pris la peine de s'arrêter. Et si tu ne prends pas la peine de t'arrêter devant un boiteux, tu ne verras pas l'œuvre de Dieu dans ta vie. Il ne suffit pas de voir le boiteux, d'aller prier pour lui, mais de t'arrêter. Il le fixe. C'est la deuxième chose qu'on a lue. Hein. J'ai parlé un peu du regard, des échanges de regards soutenus, là, les yeux dans les yeux. Parce que Pierre est en train de voir non pas un infirme uniquement, non pas un boiteux, non pas un mendiant repoussant dans le besoin. Pierre voit plus que ça. Il est en train de voir quelqu'un que Dieu veut rétablir, que Dieu veut sauver, que Dieu veut guérir. Il voit un homme précieux pour Dieu. Et il ne va pas voir n'importe quelle personne en bonne santé. Il va vers cet homme repoussant, quelqu'un vers qui on n'irait pas naturellement. Il le fixe parce qu'il voit quelqu'un d'autre. Le regard de Pierre est différent. On sent bien qu'il voit, qu'il sent que quelque chose va se produire, que Dieu veut faire une œuvre dans la vie de cet homme. Et puis une parole qui transforme. Cette rencontre, elle est prévisible. Je l'ai dit tout à l'heure, il est connu cet homme. En même temps invisible, mais il est connu. Donc cette rencontre, elle est prévisible. Ils savent qu'ils vont croiser un mendiant. L'aumône est prévisible aussi. Ils savent qu'ils vont devoir donner de l'argent. Mais la suite du récit n'est pas prévisible. La suite du récit est inattendue pour cet infirme-là. Pierre dira, littéralement en grec, c'est pas « je n'ai pas d'argent ». À partir de l'instant où je te dis « je n'ai pas », ah, ok, le mendiant, il va chercher quelqu'un d'autre. Voilà, toi, tu passes, je n'ai pas. Non, c'est argent, or, je n'ai pas. Donc, quand il a entendu argent,
Or, je ne l'ai pas. Peut-être que l'autre, il était comme ça. Il m'a fait tellement espérer que finalement, il attendait autre chose. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ce sont des paroles extraordinaires. Je n'ai ni or ni argent, comme aussi pour montrer que les premiers besoins physiques et matériels sont une évidence. Mais ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas ce qui est plus essentiel. Ce n'est pas ce qui est le plus précieux. Bien sûr, c'est important. Il existe des richesses plus précieuses que Dieu veut accorder. Pierre ne dit pas aussi, je n'ai ni argent ni or, mais je te vends quelque chose. Je te vends une guérison. Il ne dit pas, si ta dîme, si tes offrandes, eh bien, si tu es généreux dans tes offrandes, eh bien, tu vas avoir ta guérison. Texte merveilleux, là. La guérison ne s'achète pas. D'une manière très discutable, certaines personnes font penser cela. Tu veux être guéri? Donne à Dieu. Prie Dieu. Donne tes offrandes à Dieu. Pierre insiste bien. Je n'ai rien, mais je te donne. Je te donne. Je ne te vends pas, je te donne. Cela rappelle la parole de Jésus. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement aussi. Donc le salut ne s'achète pas. La guérison ne s'achète pas. La guérison ne se monnaie pas. Ni les miracles. C'est une grâce de Dieu répandue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Certains commentateurs, dont certains, la plupart des commentateurs, font un lien avec la guérison de Jésus dans le livre, dans l'évangile de Luc, où il déclare aux paralysés, paralytiques, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » On le voit aussi là, une similitude entre les miracles de Jésus et les miracles de Pierre. Mais j'aimerais juste illustrer, ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il y avait plusieurs Jésus à l'époque, hein. Des Dupont, des Marc, il y en avait plein. Donc Jésus de Nazareth, on savait qui c'était. Je te le donne. Le problème d'argent et d'or est un problème récurrent dans l'Église, qu'elle soit catholique, évangélique, tous dans le même sac, d'accord ? On ne va pas faire de... Mais cette histoire de saint Thomas d'Aquin, un grand docteur de la loi de l'Église catholique, qui a écrit des tomes et des tomes de théologie, docteur en philosophie aussi, quelqu'un de très réputé, ses écrits sont encore lus dans les milieux cathos comme dans les milieux protestants évangéliques. C'est une référence. Il raconte un jour visiter un pape, le pape Innocent II. Et le jour de sa visite auprès de ce pape, il arrive au moment où ce pape est en train de compter à une grosse somme d'argent. Il est vraiment occupé. Et il dit, en voyant saint Thomas d'Aquin, il lui dit, « Ah, voyez Thomas, dit le pape, l'Église ne peut plus dire « Je n'ai ni or et ni argent. » Savez-vous ce que saint Thomas d'Aquin a répondu ? C'est vrai, Saint-Père. Mais l'Église ne peut plus maintenant dire « Lève-toi et marche. » L'Église ne peut plus dire « Lève-toi et marche. » Ça fait réfléchir quand même. Ça fait réfléchir où l'Église aurait tendance à s'enrichir, à vouloir compter sur elle, où les croyants commencent à compter sur ses biens, sur son argent, sur son compte bancaire, si bien que on
on oublie de compter sur la grâce et sur la puissance de Dieu. On oublie que ce n'est pas l'argent qui compte, mais c'est la puissance de Dieu. Et on oublie finalement le principal, Jésus-Christ. Et c'est ce qui arrive quand nous commençons à nous satisfaire du matérialisme. Quand nous commençons à amasser des richesses pour nous en oubliant la puissance de Jésus. Au nom de Jésus, ce nom, le nom de Jésus, bien sûr, le nom même dans la Bible révèle l'identité, révèle la position de la personne, révèle l'action même de la personne. Par exemple, dans 1 Samuel 17, c'est David qui va voir Goliath. Vous vous souvenez un peu de ce géant-là, et David est un petit jeune homme, un petit ado, on va dire, et qui a vraiment à cœur l'œuvre de Dieu. Et il dit, tu marches contre moi, il dit à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, ta lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Je marche contre toi au nom de l'Éternel. Le nom, lequel ? Le Seigneur des armées célestes, celui qui domine tout, qui est souverain. Voilà le nom de l'Éternel. Ce n'est pas un simple nom, c'est celui qui siège, qui est souverain. Le nom révèle l'identité, la position et la mission. Isaïe, par exemple, 9, nous dit un enfant, car un enfant nous est né pour nous. Un fils nous est donné. Il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort ou Dieu puissant, Père à jamais et Prince de la paix. Ces différents noms, eh bien, révèlent l'identité même de Jésus-Christ. Un autre nom encore qui révèle l'identité du Christ, que vous connaissez, Matthieu 1, versets 21 à 23, dans ce temps d'avant, de l'avant, où on annonce, il est dit, elle donnera naissance, en parlant de Marie, elle donnera naissance à un fils, et tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Voyez, en rapport avec son nom, le nom, tu l'appelleras Jésus, parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le nom est lié à la mission du Christ. Voici la jeune fille vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous, Dieu parmi nous, Dieu. Son nom révèle sa mission et son identité. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place, en parlant de Jésus, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout. Lui qui a été crucifié, l'apôtre Pierre, nous ne l'avons pas lu, dira dans la suite du récit que lui, l'auteur de la vie, a été crucifié. J'ai trouvé ça étrange. Lui, l'auteur de la vie, a été crucifié. Comment peut-on crucifier l'auteur de la vie ? Ce n'est pas possible. Il est l'auteur de la vie. Au chapitre 4, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Le nom de Jésus est celui qui sauve. Il est associé à l'autorité et à la puissance de Jésus. Il ne s'agit pas d'une formule magique, d'un rituel, d'une gestuelle, où on va répéter des dizaines de fois « Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus !» en espérant que notre prière va être adressée. Quand nous disons « dans le nom de Jésus », nous faisons appel à l'autorité de Jésus, qui a tout pouvoir sur la terre comme dans le ciel. Non, sur la terre comme dans le ciel, c'est mieux. Et qu'il n'est pas resté dans le tombeau, qu'il est ressuscité d'entre les morts. Donc son nom a une autorité. Pierre dira dans la suite du récit, « Celui que vous avez crucifié, il est ressuscité. » Et c'est ce même Jésus qui accomplit ce miracle. Ce Jésus que vous croyez crucifié,
il est vivant. Et ce Jésus vivant, eh bien, il a rétabli cet infirme. Ce Jésus de Nazareth, qui habite 6 avenue de la Division Leclerc, à Nazareth. C'est celui-là que je te parle. C'est celui-là que je te parle. Tu crois qu'il est mort ? Non, il est vivant. Il ne s'agit pas d'une formule magique. Mais Pierre, comme les apôtres, ont reçu de la part de Jésus l'autorité, la délégation d'accomplir des miracles et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. C'est ce que nous lisons dans l'évangile de Matthieu, où Jésus dira à ses disciples, aux 12, « Annoncez que le règne des cieux est proche, guérissez les malades et toute infirmité, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. » On voit que l'annonce de l'évangile, Jésus demande à ses disciples d'annoncer l'évangile, et qu'avec l'annonce de l'évangile, il sera accompagné de manifestations, de miracles. Et il y a toujours un lien entre l'annonce de l'évangile et l'œuvre de Dieu, et les miracles. Quand nous annonçons le nom de Jésus, il se produit des transformations. Au niveau du cœur, donc des conversions se tournent vers Jésus, mais au niveau même du corps, Dieu rétablit également. Ce n'est pas sans nous rappeler la parole de Pierre, hein, « Lève-toi et marche », la parole de Dieu, la parole créatrice. Dieu dit un mot et la chose arrive. La parole même de Dieu est créatrice. Elle n'est pas simplement une parole du verbiage. Elle est créatrice. Elle apporte la vie. Et cette parole que Dieu a confiée à Pierre et aux disciples. Et les miracles sont comme des panneaux indicateurs qui pointent non vers celui qui accomplit, vers Pierre, car Pierre dira « Je suis comme vous », mais vers l'auteur des miracles. Ils sont comme des panneaux indicateurs qui pointent vers l'auteur des miracles. Les miracles, ce que Dieu accomplit, les guérisons, sont comme des signes qui viennent attester le message de l'Évangile. Les miracles sont comme des signes de la présence même de Dieu dans cette situation-là. Les miracles sont comme des signes de la puissance de Dieu quand il guérit. Jésus dira, Pierre dira, au verset 16, « Et c'est parce que nous croyons en Jésus que la puissance de ce Jésus que nous avons invoqué a rendu à cet homme que vous voyez et que vous connaissez la force de se tenir debout. Oui, cette foi est efficace par Jésus, a donné à cet homme une parfaite guérison, comme vous pouvez tous vous en rendre compte. » Il y a, au verset 16, quelque chose d'important, la foi. On ne sait pas trop si c'est la foi du paralytique, de l'infirme, ou la foi de Pierre. Certainement la foi de Pierre et de Jean, qui agissent là en tant que délégués, détenteurs de la puissance de Dieu, de l'autorité du Christ. Ils sont dans la continuité de l'œuvre de Jésus. Hein. Il est dit que quand Jésus annonçait l'Évangile, il accomplissait des miracles, il y avait des signes, des prodiges. Et on voit cette même expression dans les Actes des Apôtres. Comme si les disciples continuaient l'œuvre de Jésus avec des signes, des prodiges et des miracles. Jésus, déjà, est dans les évangiles, voulait rassurer Jean-Baptiste, le grand Jean-Baptiste, qui était un peu découragé. Et il dit à ses disciples, allez voir Jean-Baptiste et racontez-lui ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Encore une fois, une association entre la bonne nouvelle de l'Évangile qui vient attester, que les miracles qui viennent attester la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors ce texte, non seulement nous rappelle que cet infirme a été au bénéfice de la grâce de Dieu, mais nous voulons aussi regarder un peu plus loin
et prendre conscience, en effet, qu'il y a autour de nous des personnes qui sont paralysées, des personnes qui sont boiteuses, des personnes qui sont au pied, à l'extérieur du temple, et qui ne peuvent pas se lever, des personnes qui désespèrent de la vie, qui n'ont plus la force même d'espérer, car ils en sont incapables. Et je crois que nous devons prendre conscience de cela. Conscience que des personnes sont tellement chargées par des fardeaux qu'ils sont incapables de se lever et de se mettre en route. Certains n'osent pas et n'osent plus en parler parce que de toute manière, ils le disent intérieurement, ça ne va rien changer. Ça fait 40 ans que ça dure. Ça fait 10 ans que ça dure dans ma vie. Ça fait 10 ans, 15 ans que je vis avec ça. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. Et je comprends l'état d'esprit. Je comprends qu'à un moment donné, on soit fatigué d'espérer. Qu'on n'a plus la force d'espérer en Dieu. Mais ce texte nous parle d'espérance. Nous parle de Jésus qui seul peut guérir. Ce Jésus qui peut réparer ta blessure. Qui peut réparer ce qu'il y a de boiteux chez toi ou chez moi. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec sa puissance et son autorité, que nous voulons annoncer qu'il y a une espérance pour ceux et celles qui comptent sur le Seigneur. Il y a une espérance parce que ce Jésus, il est vivant, il n'est plus mort. Et si Jésus est vivant, il peut être vivant aussi dans ta vie. C'est lui qui peut te remettre debout. En réalité, cet infirme attendait simplement de l'argent. Mais il a reçu beaucoup plus. Il a reçu plus que ce qu'il espérait. Il a reçu des richesses insoupçonnées en Jésus-Christ. Si bien qu'il a été guéri dans son corps, mais aussi rétabli socialement, rétabli dans sa relation avec Dieu, puisqu'il se remet debout, il saute, il loue le Seigneur, et il ne quitte plus Pierre et Jean, il rentre dans l'enceinte du temple. C'est dire combien il a été rétabli complètement par Dieu. C'est une espérance pour nous. Dieu veut aussi te rétablir, mais à tous les niveaux. Alors j'aimerais peut-être que ce matin, on puisse laisser un temps de prière silencieuse, où l'Église dit tout simplement, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Silencieusement, je te donnerai l'occasion de venir et on pourra prier pour toi sans rentrer dans les détails. Mais l'apôtre Paul dit quelque chose de formidable. Il nous dit que ce que nous demandons peut être légitime, mais ce que nous recevons est d'une richesse insoupçonnée et des richesses bien plus grandes que vous connaissez. On peut même l'afficher. Éphésiens 3, verset 20. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons, ou même pensons, ou espérons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. J'aimerais te proposer juste de lever ta main où tu es et on va prier. Quelque chose qui bloque. Je demande tout simplement, peut-être Daniela, tu peux t'approcher, Edwige, tu peux t'approcher, Sarah, Emmanuel. Je vais demander à Kedj, à Moïse et à Jean. Je vous invite à vous lever pour vous associer. C'était l'autre Jean. Okay. Non, vous ne levez pas tous, hein. Je vous propose simplement, c'est que, voilà,
on puisse se répartir. Jean. Demandez à Vanille, tu veux bien venir ? On va s'écarter, puis on va prendre là. On va juste comme ça, juste écouter la demande et puis de prière courte. D'accord ? Wilfried ? Moïse ? Chacun une personne. Mais vous descendez de l'estrade. Hop, et hop là, on va, hop, doucement. Voilà. Toc. Voilà. Je vous invite à vous lever, on va, et puis vous pouvez prier.